Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore une fois un live. Vous savez que la Médée de la ville maintenant propose des lives au moins une fois par semaine pour vous. Même si vous êtes à domicile, ne vous inquiétez pas. J'ai oublié, je me présente, je m'appelle Christian, je suis éducateur sportif à la Médée de la ville. Donc, des lives que, pour des cours que je propose le mardi, il y a aussi les mercredis ainsi que les vendredis. J'espère que vous êtes en forme pour cette séance. Vous aurez besoin d'un tapis de sport, des poids si vous en avez à la maison, ou sinon vous pouvez prendre deux bouteilles d'eau, ça sera suffisant. Ok? Alors, on va se préparer rapidement, petit échauffement. Ensuite, on va faire un peu de renforcement sur les bras, les abdos, et on finira par un peu de cardio. Ok? On est prêt? Allez, on est parti, petit échauffement. On commence par les articulations. Allez, on écarte les jambes dans les jambes, on échauffe les poignets. On essaie de garder le sourire pendant toute la séance, c'est important, ça va vous aider. Ok? Allez, les bras en avant. Avec un petit pas chassé. N'oubliez pas la respiration pour accompagner vos mouvements. Même chose, les bras en arrière. Alors, on va remettre les mains sur les hanches. On reste toujours sur le pas chassé. N'oubliez pas de garder le sourire. C'est très important. Allez, on va lâcher une petite flexion et on remonte. Allez, on échauffe un peu les cuisses. Pareil pour l'articulation du genou. Allez, on part sur les talons fesses. Allez, tapez une main sur la fesse. Même chose, on va lever les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va partir sur des jumping jacks. On y va. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dernière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, marchez, allez, marchez militaire, on est toujours dans l'échauffement, histoire de augmenter le rythme cardiaque et de chauffer les muscles, allez, on continue. On écarte les jambes, on mobilise les épaules en arrière avec une bonne respiration. Pareil en avant. Allez, reprenez votre souffle tranquillement. On va chauffer les chevilles. Posez la pointe des pieds au sol. Posez la cheville vers la droite. Allez, dans l'autre sens. N'allez pas vite, prenez votre temps. Allez, on change de côté. Allez, on change. On repatiente. Ok, on repart sur le pas chassé. On met les mains ici. Et là, on va aller chercher à droite. Droite, gauche, à droite, à gauche, à droite, gauche. Allez, on est bien solide sur les appuis. On ne veut pas se couper. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4. On va se préparer au squat. Attention. On y va. 1, 2, 3, 4. Encore. 1. Soufflez à chaque montée. 2. 3, 4, allez, on continue. 1, amenez bien le bassin en arrière, gardez le buste au bras. Encore. 1, 2, 3, 4, marche. Et, alors, on reprend le souffle, gardez le sourire. On finit bientôt l'échauffement. On met les mains sur les hanches. On va partir sur des fentes. Donc les fentes, faites attention.
le genou, donc, doit bien aligner avec la cheville. D'accord ? L'idée, c'est d'être comme ça, genou aligné avec la cheville quand vous descendez, et là, on remonte. Ok ? Alors, on y va ensemble. 1, 2, contrôlez bien la descente. 5, 6, 7, 8, change de côté. Prêt ? On y va. 1, 2, 3, 4. Allez, l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Alors, on repart du premier côté. 1, 2, 3, et jump. 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marche. Allez, marchez rapide. C'est la marche militaire. Ok? Alors, on maintient. On maintient le rythme. On maintient. On maintient. Ok. Allez. On va enchaîner. Donc là, vous allez prendre deux poids, si vous en avez à la maison, entre 1 kg et 3 kg. Mais bon, l'idée, l'idée que ça ne soit pas trop lourd pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Si vous n'avez pas de poids, prenez juste un manche à balai, ça sera suffisant. D'accord ? Ou vous prenez deux bouteilles d'eau. Allez, on va renforcer les bras. Donc, position de départ. Position squat, légère flexion de genoux. Ok ? Donc là, on va travailler à la fois les dorsaux, mais aussi les triceps. Ok ? Donc, l'exercice, je pars de là, légère flexion de genoux, je ressens le buste, et là, je ramène comme ça. Je tire vers l'arrière, j'écrase les deux omoplates l'une contre l'autre. Là, et je ramène. Ok ? Allez, on se prépare. Pour l'instant, on marche sur place. On reste actif. J'espère que vous avez les deux bouteilles. Ou les deux poids dans les mains. Le bâton, pour celui-là, on ne pourra pas l'utiliser. Ok, ça sera pour plus tard. En place. 5, 4, 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repart à 0. Allez. 1, 2. Si vous avez perdu le sourire, il faut le reprendre. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche un tout petit peu. Donc, très important en faisant ce mouvement-là, d'entraîner volontairement les abdominaux. Voilà, comme ça, vous l'intégrez dans le mouvement. Ok ? Avec les pectoraux, les dorsaux, les triceps, mais aussi les abdominaux. Ok, on va repartir. On se prépare. On fléchit et aussi on engage les quadriceps. Légèrement les ischios, même plus les quadriceps. On repart. 5, 4, 3, 2, 1. On y va. 1, on ramène. 2, on ramène. 3, on ramène. 4, on ramène. 5, on ramène. 6, on va aller un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dernière. 1, 2, 3, n'oubliez pas la respiration. Et on relâche. Lâchez. Allez, récupérez un peu. Allez, buvez un tout petit peu. Enchaînez sur les bras. J'espère que ça va. Profitez, on va récupérer environ 30 secondes avant de repartir. Allez, pensez à boire. Allez, restez actif. Petit pas chassé. Restez toujours actif. Enchaînez. Allez, on reprend les poids. Cette fois-ci, on va travailler une zone un peu plus haute. D'accord ? Les deltoïdes, les épaules. Ok, on se prépare. On pose les poids
là, ici. Dans un premier temps, on fera un mouvement simple. Après, on va la rendre un peu complexe. OK? Donc, là, et on pousse. On ramène. On souffle au moment où on pousse. D'accord? 3. 4. Toujours garder les abdos contractés. 5. OK? Contraction volontaire pour engager le muscle dans l'exercice. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. Marche. Attention, on va la rendre un peu plus complexe. Au moment où vous poussez les bras en l'air, vous allez fléchir les genoux. Ça va donner ça. 1, je le ramène. 2, OK? On se prépare. N'oubliez pas la respiration. En place. 3, 2, 1, on y va. 1, ramène. 2, 3, débattouflé. 4, 5, 6, 7, 8, on repart à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on relâche. Allez, on marche. Allez, de nouveau, on va passer à l'autre exercice, toujours pour travailler les bras, cette fois-ci avec des élévations latérales, comme ça, OK? On se prépare. Allez, on va enchaîner. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on fléchit et on élève. 1, allez, toujours un peu contracté. 2, je ressors ma poitrine. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. On relâche. Marchez. Allez, on marche. On marche. On va cibler maintenant un peu plus les pectoraux. La poitrine. Allez, on va réfléchir. Pousse. On ramène. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, maintenant, on va rendre le travail un peu plus complexe. On va faire un mélange de tout. D'accord? Ça va être une forme freestyle. On va enchaîner tous les mouvements qu'on vient de faire depuis tout à l'heure. Ok? Donc, on va faire celui-là en l'air, élévation latérale, et celui-là aussi. Ok? Allez, les dorsaux. Alors, ce repas, soyez attentifs, restez bien concentrés et surtout motivés. OK, on va repartir. Dans 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'oublie pas de souffler. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on élève. 1, 2, 3. N'oubliez pas de garder les abdos contractés, de souffler à chaque montée. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on élève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, devant, on ramène, on pousse, ramène, poussez, je ramène, pousse, je ramène, je pousse, je ramène, encore, pousse, je ramène, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, et je relâche, relâchez. Allez, on va passer aux abdominaux maintenant. Avant de terminer sur le cardio, donc les abdominaux, on peut commencer debout. Après, on passera sur le tapis. Okay? Donc, préparez vos tapis. Préparez vos tapis car on va bientôt passer sur le tapis. On va faire quelques mouvements debout. Après, on passera sur le tapis. J'espère que ça va toujours. Il y a toujours la pêche. Okay? Gardez le sourire jusqu'à la fin. Allez, on se prépare pour l'instant en marche. On va enchaîner. Allez, on va légèrement écarter les jambes. On met les mains le long du corps. Et là, on va juste aller comme ça. Et là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repart. N'oubliez pas de souffler à chaque mouvement. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, marche. Allez, exercice suivant. On met les mains derrière la tête. On va ramener le genou pour toucher le coude du côté opposé. Ça veut dire que le genou gauche va toucher le coude droit. Ça donne ça là et inversement. Ok? Travailler les obliques, on peut durer légèrement les poignées d'amour. Ok? Allez, on se prépare, on garde la motivation, on reste toujours actif. Vous êtes un peu essoufflé, ralentissez, marchez légèrement sur place. Ok? Si vous avez envie de boire, vous pouvez boire avant d'enchaîner. Ok? Allez, on se prépare, on va repartir. Marchez pour l'instant. Allez, on se prépare. Attention, on va partir. Va être un peu plus dynamique que celui qu'on va faire. Allez, on se prépare, on met les mains derrière la tête. N'oubliez pas de croiser. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on souffle. N'oubliez pas la respiration. C'est très important. Ne mettez pas sous l'eau. Ok, allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, on relâche. Alors, on va passer au sol, prenez votre tapis. Rien ne vous oblige à terminer par les abdominaux. Vous pouvez le faire au début de la séance, au milieu ou à la fin. Voilà, rien ne vous oblige. Allez, on va continuer. Allez, donc abdominaux, on va s'allonger sur le dos. Allez, faites bien assis comme ça. Donc on assis, on pose les soins du sol. Après, vous allez vous allonger sur le dos. Très important pour contracter volontairement les abdominaux. Donc, je vous donne un astuce, essayez de plaquer les lombaires sur le tapis. Aspirez votre lombaire vers la colonne vertébrale et vous maintenez cette posture pendant toute la durée du travail. Et à chaque exécution d'un mouvement, vous soufflez. Donc, vous expirez, c'est très important. Ok? Allez, on va commencer par le crunch. Reconnaissons le dos. Et on va décoller le coude du dos, venir poser les mains là sur les genoux. Ok? N'oubliez pas la contraction volontaire ici. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. 1, on descend. Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Et là, on reste en l'air. On reste en l'air. On traque les abdos qui s'ouvrent. On reste en l'air. Alors, on met les mains sur les épaules en croisé. Là, on va dérouler légèrement les talons du sol. Allez, gardez la posture. Gardez toujours les abdos contractés. Soufflez par la bouche. Soufflez par la bouche. On met les deux mains derrière les oreilles. Et là, on va ramener les genoux vers le bout de côté. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On redescend tout doucement. On souffle un tout petit peu. Et là, vous pouvez relâcher le ventre. Et parce que vous êtes en phase de repos. Et on va bientôt repartir. Allez, on récupère un peu. Donc, n'oubliez pas, contractez volontairement le périnée. Écrasez les lombaires contre le tapis. Ok. Alors, on va repartir. Cette fois-ci, on va décoller le haut du dos. En même temps, on va ramener le genou au-dessus du ventre. Comme ça. Et on va reposer. En place. 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, on pose. 2, on pose. Allez, n'oubliez pas la respiration. 3, on pose. 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on ne relâche pas la contraction volontaire des abdos. 9. Et là, on repart à 0. On y va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. J'espère que ça va toujours. Si vous avez un tout petit peu mal au dos, faites le même exercice, sauf que vous ne déconnez pas les jambes. D'accord ? Faites le même exercice sans décoller les jambes. Vous venez juste toucher les genoux et les descendre. Ok ? Allez, on va repartir. Même chose toujours. On va repartir, il y en a quelques variantes. Soyez attentifs. Allez, on est prêts. Allez, on est sur le dos. On se prépare. On se tape les abdominaux. 3, 2, 1, on y va. 1. Si vous avez mal au dos, gardez les pieds au sol. 3. 4. 5. 6. 7. Attention, on va bloquer en l'air pour la deuxième. On bloque. On reste là. Allez, on reste là. On garde bien les jambes à 90 degrés par rapport au sol. Ok. Garde là comme ça. On pose les mains au sol. Garde là. Allez, le haut du dos, il est toujours décollé. Je contracte les abdominaux. Ok. Je retiens ma cuisse abdominale. J'écrase les lombaires sur le tapis. Allez, on retient la posture. Je sais que ça brûle sur les abdominaux. Si ça brûle, c'est bon signe. Allez, on tient. On tient. 3, 2, 1, et on relâche. Allez, très bien. J'espère que ça va toujours. Allez, on va enchaîner. Cette fois-ci, on va passer sur un autre exercice. C'est abdos chandelle. Donc, c'est pour solliciter les abdominaux un peu plus en bas. Ok, les abdos du milieu, les abdos plus en bas. Donc, très important. Bien garder cette posture. Donc je lance le mouvement, on part, le pied est décollé. Là, je décolle le bassin au retour, je bloque ici à 90 degrés à peu près. Pas là, mais ici, à peu près. Ok ? Allez, je vais se préparer. Allez, en 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on y va, on monte. En bloc, 1, allez, poussez sur les mains, le déplacement décollé, 2, 3, on souffle quand on ramène le pied vers le sol, 4,
5, 6, 7, 8. Allez, on repart encore. Allez, courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je relâche. Relâche. Et je sais que ça fait un tout petit peu mal à la nuque, mais ça va partir. C'est pas une douleur qui va rester éternellement. Ça va durer une à deux minutes. Après, ça va partir. Pour soulager un tout petit peu, mobiliser votre tête à gauche, à droite, en disant non. Ok. Alors, on mobilise la tête. On va passer sur un autre exercice. Cette fois-ci, on va cibler les obliques, comme on a fait tout à l'heure debout. Ok. Donc, on s'allonge sur le côté. On met la main derrière la tête et là on va s'appuyer sur l'avant-bras et ramener le coude vers le genou. Ok? Donc on commence à allonger et on monte comme ça. 1, 2, 3, n'oubliez pas de souffler. 4, 5, 6, 7. Alors, on va passer au niveau supérieur. On prend les deux en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va passer de l'autre côté. Allez, en place. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on y va. 1, on commence en levant une seule jambe. 2, allez, décollez bien sur l'épaule. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on décolle les deux pieds en même temps. C'est parti. 1, vous pouvez poser les deux pieds au sol, vous les gardez en l'air comme vous voulez. 3, 4, n'oubliez pas de souffler. 5, 6, 7, et 8. Relâche. Allez, un petit peu. J'espère que ça va toujours. Profitez pour voir un tout petit peu. On va enchaîner sur un autre exercice, toujours pour cibler les obliques. Donc pour cela, vous allez prendre soit une bouteille d'eau, soit un poids, soit un ballon. Vous avez un ballon chez vous, vous utilisez votre ballon. Okay? Donc le ballon, l'exercice, c'est le twist abdos. Donc on est assis, on déploie les talons au sol. Si vous n'arrivez pas à garder les talons, vous levez, vous posez les talons au sol. C'est pas grave, l'idée, c'est d'avoir quelque chose dans les mains, de faire une rotation. À gauche, une rotation à droite. Ok? Et avant de décoller, c'est pareil. À gauche, à droite. En place. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Allez, encore. Gauche, droite, ça fait 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4. Souffle. On va partir. Alors, si vous avez mal au dos, vous avez les talons décollés, passez avec les talons au sol. Alors, si les talons au sol, c'est trop facile, passez les talons décollés. Ok? Allez, on va repartir. Place. 3, 2, 1. Allez, go. 1, 2, 3. N'oubliez pas de souffler à chaque rotation. 4, 5, 6, 7,
8, là encore 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez. Et... allez, maintenant on va passer au gainage. Gainage basse, gainage lombaire et gainage oblique. Ok, donc préparez-vous. Suivez un tout petit peu avant d'enchaîner. Et après, n'oubliez pas, on finira sur du cardio. Ok, avec un petit tabata. On va essayer de faire ça. Ok. À l'enclasse, on va commencer par le gainage latéral. Donc on s'appuie sur l'avant-bras, on décolle le genou et la cuisse du sol. D'accord ? Soit vous gardez la main là, soit vous mettez là sur la hanche. Si c'est trop dur, posez la main au sol. Et pareil, vous posez un genou au sol. D'accord ? Vous pouvez faire aussi comme ça. Ça marche. Ok ? Allez. Allez, contractez bien les abdominaux, ressortez légèrement la poitrine. Allez, pas de souffler. Allez, on tient encore 10 secondes. 3, 2, 1, et on relâche. On change de côté. Allez, on est prêt. 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, on laisse l'espace là, la main décollée, puis la main posée ou sur la hanche. Allez, vous n'avez pas de souffler, gardez les abdos contractés, très important. Et soyez bien aligné. Okay, pas en arrière, pas trop en avant, restez bien aligné. Alors maintenant, on respire. Dans 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Alors, on repart encore à droite. On y va. Alors, on se retrouve là. Tiens, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Allez, on change de côté. Après, on passe la sur gainage basse et gainage lombaire. 3, 2, 1, on y va. Allez, n'oubliez pas de respirer et garder les abdominaux contractés. Aspirez toujours le nombril vers la colonne vertébrale et maintenez cette posture. Ok ? Allez, on garde le sourire. On essaie de temps en temps de se rappeler qu'on prend du plaisir. D'accord ? C'est pas une torture, c'est un plaisir. 3, 2, 1, on relâche. Allez, on continue, c'est très bien. Pensez que c'est un plaisir, comme je vous le dis. Allez, gainage. Passe. Donc, deux options. Soit vous êtes sur la pointe des pieds, comme ça, on aligne bien les épaules, le bassin, okay, et la tête. Si c'est dur, posez sur les genoux. Les genoux, on les met pas là, sinon on ne travaille rien du tout. Mais, légèrement en arrière, on garde bien les abdominaux contractés. Allez, c'est parti. On reste sur les avant-bras, serrez les poings, contractez les abdos et redressez légèrement la tête. Fixez un point au-dessus de l'horizontale. Okay? Imaginez-vous une ligne horizontale, vous fixez un point juste au-dessus. Alors, maintenant la posture. Allez, on tient encore. 1, 2, 3, 2, 1, on pose. Allez, on va repartir. Même chose. Et si c'est trop facile sur les genoux, passez sur la pointe des pieds. Si sur la pointe des pieds vous semble difficile, passez sur les genoux. Okay. Et gardez bien les postures. Un peu contracté, respiration. Très important. Lente mais profonde. Ce mouvement. Okay. Et gardez les abdos contractés. Très important. Je me rappelle, c'est très important de le faire. En place, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, on y va, on tient.
On serre les poings, on redresse légèrement la tête, à peu contracté. Voilà. Aspirez votre nombril, maintenez la posture, retenez l'envie de la toilette et soufflez. Lente, mais profond. Faites-le plusieurs fois. Allez, encore 10 secondes. Allez, on tient, courage. 5, 4, 3, 2, 1, et on pose. On va rester sur le ventre. On va passer sur le gainage en mer. Ok? Donc là, deux choses. On décolle les genoux du sol, jambes tendues en arrière. On décolle la poitrine du sol. On met les deux mains soit derrière les oreilles, soit sur le côté comme ça. Ok? 3, 2, 1, allez, on y va. Gardez les fessiers contractés. Les mains soit là, soit derrière les oreilles. Les jambes tendues, les genoux ne touchent pas le sol. Regardez bien. Allez, on maintient la posture. Vous renforcez les lombaires ici et les fessiers. Allez, maintenez la posture. Soufflez bien par la bouche. Allez, encore 10 secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un, on relâche. Et on va repartir. On fera ça quatre fois. Enfin, encore trois fois maintenant. Ok? Cette fois-ci, on va le faire. Donc, on ne va pas être statique. On va le faire en dynamique. Ok? Donc, toujours les genoux décollés, jambes tendues. Et là, on va monter et descendre. Ok? En place. 5, 4, 3, 2, 1. On y va. 1. On repose la poitrine. 2. On garde les genoux décollés. 3. 4. Allez, encore. 1. 2. 3. 4. Allez, encore. 1. 2. 3. 4. Allez, encore 4. 1. 2. 3 et 4. Merci. Ok. Si vous avez mal au dos en faisant un mouvement dynamique, restez sur le mouvement statique. Ok. Restez sur le mouvement statique si vous avez mal au dos. On va partir. Cette fois-ci, on passe sur le statique. 3, 2, 1. Allez, on y va. On tient. On garde bien les genoux décollés. On va tenir bien les fessiers, les mains ici, comme ça. Regarde. Allez, encore 10 secondes. Allez, courage, on tient encore un tout petit peu. 5, 4, 3, 2, 1, on pose. Allez, il nous reste encore une. Allez, pense à bien respirer pour les prochains exercices. Ok, on va repartir. Allez, on passe en dynamique cette fois-ci. Place. 5, 4, 3, 2, 1. On y va. 1, allez, toujours les genoux décollés. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, allez encore 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, on relâche, on récupère. On récupère. J'espère que ça va toujours. Profitez pour boire un peu. Une minute de récupération. On finira par un petit travail cardio qui est légèrement intense. D'accord ? Ça s'appelle le Tabata. Donc, je vous explique rapidement le Tabata. On va alterner entre 20 secondes d'effort en faisant un même exercice avec un maximum de répétitions suivi de 10 secondes de récupération. Ça va durer 4 minutes. Au bout de 4 minutes, on va récupérer 1 à 2 minutes et on refera une deuxième période de 4 minutes. Okay. Donc, je vais vous montrer, on va alterner avec deux exercices tous les 30 secondes. D'accord ? Donc, 30 secondes, on travaille sur un exercice.
30 secondes, on travaille sur un autre exercice, sachant qu'il y a 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Donc, premier exercice, ça va être le jumping jack, comme vous connaissez. OK? Faites ça pendant 20 secondes, un maximum de répétitions. Vous allez entendre, il y aura un compte à rebours qui va vous dire 3, 2, 1, go, ainsi de suite. Ça marche? Deuxième exercice, là, on va faire un exercice qui est relativement simple. Donc, ça s'appelle le thruster. Vous allez prendre vos deux bouteilles d'eau, d'accord, ou vos deux poids. Vous allez descendre, descendre position squat, et en remontant, vous soufflez. OK? Donc là, je descends et je pousse les bras au-dessus de la tête. OK? On a 20 secondes aussi. Alors, on se prépare. Je mets la musique. Préparez vos deux bouteilles d'eau. Buvez un tout petit peu. On fait deux périodes de 4 minutes. Ensuite, on finit par les étirements. OK? J'espère que ça va toujours jusqu'à présent. Comme je dis, gardez le sourire, c'est très important. Voyez cette séance comme un plaisir. Voilà, comme un plaisir qui va vous aider à mieux vous sentir, à la fois physiquement, mais aussi moralement. D'accord? Très important. Allez, on se prépare. Je vais lancer la musique. Allez, préparez-vous. Allez, on continue un tout petit peu. On commence par les jumping jacks. On y va. N'oubliez pas de souffler. Alors, encore un peu. Allez, continuez pour la récup. Si les jumping jacks sont difficiles, faites des pas chassés. Ok? Faites des pas chassés comme ça si les jumping jacks sont durs. Alors, on prend nos bouteilles. On y va. N'oubliez pas de souffler à la montée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, continuez dans la récup. N'oubliez pas que c'est deux options pour les jumping jacks. Ok? Allez, go! 2, 3, 4, 5. Allez, soufflez à chaque mouvement. Alors, reprenez bien cela, prenez les pieds. Alors, continue, on garde le sourire. Allez, c'est bientôt la fin. Garde le sourire. On reprend les poids. Allez, on y va. Descends. Ah, allez, ramenez bien les bassins en arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuez. Allez, on va repartir. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, on va souffler. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continue. Allez, il en reste 3. 3, 3 rounds. Ok, une 30 secondes. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et allez, encore deux. Allez, deux, courage. Courage, on ensemble. Ok? On se bat pour les jumping jacks. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, on relâche. Allez, c'est la dernière. Allez, c'est la dernière. La dernière. On prend les poids. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâche. Soufflez. Allez, récupère un peu. J'espère que ça a été. On souffle pendant 1 minute. 1 minute 30 à peu près. On va repartir pour la deuxième séquence. Buvez, profitez, récupérez. Ok, donc c'est du travail, c'est très intense, mais ô combien efficace. Parce qu'à la fois, vous travaillez sur du cardio, mais aussi sur le renforcement musculaire. Ok, donc profitez de boire, récupérez, marchez si vous avez envie de marcher un tout petit peu. Mais ne vous asseyez pas, marchez voilà, dans votre salon, dans votre espace de sport, ou si vous êtes dehors, voilà, marchez, ne vous asseyez pas, buvez un tout petit peu. On va repartir pour une deuxième séquence. Ok, on est toujours motivé, j'espère. Buvez, soufflez tranquillement. Et on va partir sur deuxième période. Donc la deuxième période, cette fois-ci, on va faire des pas chassés squat. Donc pas chassés squat, c'est je fais pas chassé et là je fais un petit squat sauté. D'accord? Donc là, ici avec la main droite, je saute. Là, main gauche, je saute. 1, 2, 3 et je saute. Ok? Donc je touche au sol et je saute. Squat jambes. D'accord? Pas chassé, squat jambes. Et deuxième exercice, on va faire des élévations latérales pour les fessiers. Donc là, je descends, je lève là et je lève là. Ok? Allez. On tourne et on repart. Après ça, c'est terminé et on va s'étirer. Ok? J'espère que ça se passe bien, que vous n'avez pas de douleur particulière. Voilà. Profitez, buvez encore un peu. Avant de repartir dans environ 20 secondes. Allez, préparez-vous. On va repartir. Ok. Allez, on va repartir. Place. 3, 2, 1. Allez, go. Allez, on saute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on relâche. Allez, là on va passer sur les fessiers. En place, 3, 2, on met les mains ici, go, 1, on redescend, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4. On relâche. Allez, continue. On va partir. Allez, on y va. Là. 1, 2. Si vous avez mal au genou, ne faites pas le saut, juste faites les pas chassés et posez la main vers le sol, ok? Là, descend. Retire. Alors, on va enchaîner. 3, 2, allez, on y va. 1, 2, allez, levez bien la jambe. Jusqu'au niveau de la hanche à peu près. N'oubliez pas de souffler. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, courage, on est à la moitié. À la moitié, on va repartir. On commence à droite cette fois-ci. On y va. 1, allez, un petit saut. Là, 2. 3, 4,
5, 6, 7, 8, stop. Allez. Alors, en 3, on marche sur place ou en trottine. Ok? Toujours deux options. Ok? Allez, on y va. En bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Allez, on continue encore deux. Encore deux. Allez, courage, courage. Commence à gauche. Allez, go. 1, 2, 3, et pas de souffler, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on relâche. Allez, la dernière. Allez, la dernière. On finit là-dessus. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, stop. Allez, on relâche. Allez, vous pouvez vous applaudir. Allez, applaudissez-vous. Là, vous avez fait une superbe séance. Allez. Voilà, c'est très bien. On a très bien travaillé. Là, il nous reste environ 8 à 10 minutes pour faire un peu d'étirement. En tout cas, bravo. Bravo pour la séance que vous avez faite. Voilà, on a travaillé sur tout le corps, les bras, les abdos. On a fini sur le cardio. Alors, on a travaillé beaucoup plus les jambes sur les exercices qu'on a réalisés pendant le Tabata. C'est très bien. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner au moins 2, voire 3 fois dans la semaine. Okay, surtout pendant cette période. Pensez à vous entraîner régulièrement, soit le matin dès le réveil ou pendant le temps du midi avant de reprendre le travail, ou le soir, mais pas très tard, idéalement entre 17 et 19 heures. Voilà, pas plus tard que 19 heures parce qu'après c'est compliqué si vous avez une vie de famille ou si vous êtes avec votre conjoint et surtout s'il ne fait pas de sport. Mais l'idée, c'est que s'il ne fait pas de sport, c'est de lui donner envie de faire du sport. D'accord ? Donc pensez-y, c'est très important, entraînez-vous au moins 2 fois dans la semaine. Moi, je recommande au moins 3 fois, 1 jour sur 2, et le week-end, vous vous reposez. Ok ? Et pensez à bien manger derrière ça, c'est très, très, très important. Ok ? Allez, sans plus tarder, on reprend le tapis, on va passer aux étirements. Donc là, c'est la relaxation. Prenez votre bouteille d'eau à côté de vous. On va s'étirer tranquillement. Alors, on va écarter les jambes. Alors, on est bien assis, on garde le dos droit. Ok, on va poser les deux mains au sol. On va faire avancer la paume, les deux mains, pardon, en les faisant glisser sur le tapis vers l'avant. Ok, on rentre le ventre, on inspire et on expire progressivement. Voilà. Faites redescendre votre tension musculaire, vous étirant, très important. Ne décollez pas les genoux du sol, essayez de garder bien les pieds plaqués au sol. Allez, on va ramener les mains vers les cuisses et on va faire glisser les deux mains pour aller attraper la pointe du pied gauche. Si vous êtes capable, c'est OK. Si vous n'êtes pas capable, c'est aussi OK. Vous posez les deux mains sur le tibia. D'accord ? Et vous imaginez que vous êtes capable de ramener le genou, de ramener le nez, pardon, sur le genou, excusez-moi. Voilà. Et là, vous étirez légèrement le dos, les obliques, et mais aussi les ischios, l'arrière de la cuisse. Allez, on y va, on attrape la pointe de pied. Allez, on va essayer de ramener la pointe de pied vers le tibia pour étirer l'arrière de la cuisse. Donc, on étire plusieurs muscles en même temps. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer. On a la période où vous étirez.
On remonte doucement. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de respirer, très important. Pas de mouvement brusque. On revient un peu doucement. Cette fois-ci, vous allez poser les deux mains derrière le dos. Derrière le dos. Vous ressortez la poitrine, on rentre le ventre et on pose la tête sur les épaules. Ok? Allez. Et là, vous allez tirer le dos. Ok? Et les biceps. Donc l'avant, les bras. On sort bien, pareil pour les pectoraux, vous sentez aussi les pectoraux étirés, regardez le plafond, entre le ventre, ressortez la poitrine, gardez bien les deux mains derrière le dos. On relâche, on pose les mains sur les genoux, on garde le buste droit et on va dire 8 de la tête. On tire un peu la nuque. Et là on va dire non. Toujours avec les jambes écartées, on va aller poser la main droite au sol et on va passer la main gauche par-dessus la tête. Voilà, on garde cette posture, on vient de tirer ici, cette chaîne-là. Okay. Ensuite, on va attraper l'oreille droite avec la main gauche pour accentuer l'étirement. N'oubliez pas de respirer, on va remonter côté gauche. Respirer. Alors, on pose la main gauche au sol. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui passe au-dessus de l'oreille droite. On va attraper l'oreille gauche. Et on revient. On lance. Respirez. On se détend au maximum. Et là, on fait une rotation complète de la droite vers la gauche et ensuite de la gauche vers la droite. Voilà, lâche. On va tirer au fond de la cuisse cette fois-ci. Fléchis la jambe. On pose les mains le long du corps. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez légèrement basculer le dos vers l'arrière. Okay? Sinon, vous restez comme ça. Respire tranquillement. Alors, on tient environ 15 secondes, 15 à 20 secondes à peu près. Okay. On relâche. On va passer de l'autre côté. Pareil, si vous voulez aller un peu plus loin dans l'étirement, vous pouvez légèrement basculer le dos vers l'arrière, sans oublier la respiration qui est très importante, surtout encore plus pendant les étirements. Ok. Lâche. Cette fois-ci, on resserre les deux jambes. On va attraper le coude droit avec la main gauche, qui est pour tirer les triceps arrière. Les bras. Alors, on rentre le ventre, on ressort la poitrine, on reste bien droit. Ok, c'est très important de rester droit. Comme ça. Alors, change. Lâche. Alors, on va étirer les abdos. On se met en position pente sur les genoux. Donc, les mains, l'idée c'est de mettre dans l'autre sens. On met les mains. Et là, vous allez regarder le plafond. Vous allez essayer de ramener le ventre contre le tapis. C'est pas possible, mais vous imaginez que vous êtes capable de le faire. Vous voulez le faire, mais vous ne pourrez pas le faire. Okay. Et ça va accentuer l'étirement sur les abdominaux et regarder le plafond.
Allez, de cette position, on va légèrement regarder à gauche et à droite. À gauche et à droite. À gauche et à droite. Allez, pose les mains dans le bon sens. Allez, respirez bien. Là, on va poser le pied gauche devant, puis on reste bien droit. On va prendre la main gauche, on va pousser à l'intérieur du pied gauche, et on va lever la main droite. Ensuite, on passe la main droite à l'intérieur et on va lever la main gauche. D'accord. Mobilité de hanche. Même chose de l'autre côté. Allez, on est bien droit au début. 1, 2, on change. 1, 2, allez, encore. 1, 2, 1, 2, on se relève, on garde bien les jambes parallèles, ok, on peut même enlever le tapis, on garde les jambes parallèles, on pose les mains au sol si on peut, sinon on attrape juste au milieu du tibia, on pose les mains au sol, et on va faire des mouvements d'essuie-glace à gauche et à droite, ok, sans décoller les semelles du sol, ni fléchir les genoux, donc là on fait les tirer, la chaîne postérieure, ok, l'arrière là, la chaîne postérieure des cuisses. Alors, on va avoir les jambes tendues. Allez, on reste au milieu. On va légèrement avancer les mains, sans décoller les semelles, ni les talons. On va revenir au milieu. Et là, on remonte tout doucement. On bouge un peu les épaules. Okay. Donc voilà, la séance touche à sa fin. J'espère que cette séance vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir vous entraîner au moins deux fois, voire trois fois. Moi, je vous conseille vraiment trois fois de la semaine, surtout pendant cette période, mais aussi après cette période. En tout cas, merci encore une fois d'avoir été présent ou présente. Et je vous invite à faire régulièrement du sport. Voilà, la séance est terminée. Encore une fois, merci. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance. Je ne vous dis pas ce qu'on va faire la prochaine fois. Ça va être une surprise. J'espère que ça vous a plu, que vous allez continuer à suivre nos différentes séances. Voilà. Merci et bonne journée. Rediffusion sera immédiatement interrompue. Pourquoi ça a interrompu? Comment? J'ai appuyé arrêter? Oui, voilà. Comme ça, c'est fini.